PEGI 7. Salut les amis, c'est Bussolour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Marvel Avengers. Les amis, vous ne rêvez pas sur Xbox One. Et on est parti, on lance la sauvegarde. On est parti pour ce troisième épisode. Sur quel film va-t-on nous emmener cette fois-ci? Ok, donc on peut retourner à l'héliporteur du Shield pour... ok. Ma chère Black Widow, vous allez parler. Katia va s'en assurer. Oui ? On a besoin de vous. Vous plaisantez ? Je travaille. Barton n'est plus fiable. Ne quittez pas. Où est Barton ? Je vous brieferai à votre retour. Mais d'abord, allez parler aux géants. Salut, mon grand. Je suppose que tout le bâtiment est cerné ? Rien que vous et moi. Qui êtes-vous ? Je suis envoyé par le Shield. On a besoin de vous. Si je disais non ? Ceci a le pouvoir d'anéantir la planète. Fury veut quoi, au juste? Que je l'avale? Sa signature gamma est bien trop faible pour qu'on puisse le localiser. Je sais que vous êtes le meilleur spécialiste des rayons gamma. Rien que vous et moi. C'est bon, par ici. Le reste dépend de vous. La tour Stark va être l'étendard de l'énergie verte auto-générée. Monsieur, l'agent Coulson du Shield est en ligne. Je suis sorti. Vraiment sorti. Monsieur, j'ai bien peur qu'il insiste. Un peu de courage, Jarvis. Les niveaux tiennent le coup. Enfin, je crois. Bien sûr, je m'en suis occupé. D'où ma prochaine question. Qu'est-ce que ça fait d'être un génie? Comment pourrais-je le savoir? Il faudrait peut-être demander à votre réacteur Arc. Monsieur, le téléphone. Mes protocoles ont été compromis. Monsieur Stark, il faut qu'on parle. Bon, on est dans le premier Avengers. La suite donc de la chute du Shield. Et le départ de Barton et du professeur, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais le mec qui était à poil dans Thor, je crois. Ça semble assez sérieux. Phil est bouleversé. Son prénom, c'est Agent. Ok, alors le premier, c'est ici. Le deuxième, c'est là. Le troisième, ici. Vous parlez à l'androïde de Tony Stark. Laissez un message. C'est urgent. Laissez-le d'urgence. Toujours cette petite dose d'humour qui fait plaisir. Intrusion. Qu'il y avait dans le film d'ailleurs. Phil, approchez. Nous faisions une petite fête. Pourquoi Phil ? C'est au sujet des Avengers, dont je n'ai jamais entendu parler. Je croyais le projet abandonné. On m'avait même rejeté. Ça aussi, je l'ignorais. Je suis apparemment imprévisible, narcissique, mauvais équipier. Ça, je le savais. Il ne s'agit plus de profil. Moi, je casse tout. On va l'abattre.
Rien à foutre de Tony Stark, moi je défonce toute sa baraque. Et alors, il a un problème le Stark, il veut me la mettre. Moi je suis Phil, Phil Coulson. Et je démonte tout le monde. Oh, très bien, salut. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Il y avait un passage secret. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Bonjour, je peux casser Jarvis? Bonjour. Moi je casse tout, je défonce tout, allez vas-y, ça dégage. Non mais oh. Ah, je suis coincé, excusez-moi. Hop, ok, bon, on va se dégager comme ça. Pepper, qu'est-ce que tu fais Pepper? Pourquoi vous cassez toujours mon bureau? S'il vous plaît, arrêtez. Non, c'est des pièces qui disparaissent. Démonte la pince, moi. Ah, c'est Coulson. Mais je crois que Coulson est encore bloqué. Ah, putain, voilà, je me suis débloqué. Merci. Donc. On construit quoi? Ah, le magnifique truc vert qu'il faut pousser dans le bon sens. Merci. Assez poussé. Ah, c'est Stark. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi vous cassez ma maison? C'est pas lui qui sait. Qu'est-ce que je fais? Ah, faut rester appuyé, mais ouais, je prends pas l'habitude de ça. Salut. On peut casser ça? C'est Coulson ici. Vas-y mon petit gars. Casser hein, en même temps, on sait jamais. On peut pas sortir sur la terrasse, non. Puis c'est Stark, hein. Stark il est riche. On pourra se racheter un bureau Ikea, vous inquiétez pas. Pas de problème pour lui. Bon, faut quand même avancer un petit peu. Qui c'est? Ce n'est pas une consultation. Qu'est-ce que c'est que ça? En raison, c'était ça. 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 Et ça. Ça, c'est yes. Ça. Waouh. D'accord. Je prends le jet pour Washington dès ce soir.
Alors, qu'est-ce qui va-t-il donc se Pauvre passer? Captain Steve Rogers, un homme hors du temps, dans le sens littéral. Quand il est devenu Captain America, il a vécu des tas d'aventures et a affronté des ennemis incroyables. Je me demande si l'avenir sera différent pour lui. Enfin, le Captain a affronté des adversaires étranges, mais aucun aussi dangereux que Crâne Rouge et Arnim Zola. Heureusement qu'il a pu compter sur Peggy Carter et son ami Bucky Barnes. Ah, donc là on partirait sur Captain America, le premier du nom, c'est ça. On a des insomnies? Excelsior. Ok, là on a une grande salle à défoncer là. Ok. Ah oui, on défonce tout. Bien bouger après, merci. Dangereux. Alors, boum! Oh, le pauvre Fury, je l'ai écrasé. Ah, ça servit à quelque chose apparemment. Vous voyez, comme quoi ça sert hein, de casser toute la pièce là. Où est-ce que je vais me bloquer? Voilà, faut tout démonter, nous on est comme ça, on casse tout. Ça défoule, allez, vas-y mon pote. Il y en a qui feront le ménage derrière toi, t'inquiète pas. Quoi. Bon, la machine qu'on a créée là, on pourra casser ça aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est plutôt Fury? Ouais, c'est Fury. Fury, mon petit. Viens ici. Allez! Le pauvre vieux, il va mourir. Non, alors pourquoi ces armes sont au sol? Je parlerai de ça plus tard. Ouais, vas-y, défonce, vas-y, Fury. Ok. Y'a quoi ici? C'est quoi ça, ouais? À mon avis, c'est avec un agent qu'on n'a pas. Ouais, c'est Black Widow. Black Widow. Il y a des pièces au sol, donc à mon avis, il y a des trucs qu'on n'a pas encore cassés, mais je vois des caisses partout. Voilà, comme ici là. Là déjà on peut sauvegarder. Même si ça sert à rien que je sauvegarde en cours de route, parce que je ne m'arrête pas, je fais les épisodes directement. Par chapitre. Mais bon, on ne sait jamais. S'il peut arriver un souci, la console s'arrête. Et on est dans le caca, du coup, ouais, ça peut servir. Pourquoi il y a encore ces pièces au sol là? Ça m'énerve. Hop, normalement, on va pouvoir viser là. Ah ouais, donc c'est-à-dire que j'ai visé même ici, quoi. On va casser ça après, vous inquiétez pas. Ce sera le but. Bon, ça, c'est pour Captain America. Je m'en doutais. Dégage, Fury. Dégage. Mmh.
Boum. Et panier touchdown. Panier touchdown, carrément. On a tout démonté. Ouh, là, il y a de la pièce, là. Là, il y a de la pièce à recréer. Ah oui, ah oui. On va casser là aussi, je pense que ça merde. Ça dégage. Je veux un sneaker, je veux un marque. Allez, vas-y, donne-moi ça. Tiens, prends ça, Fury, tu l'as mérité aussi. Vas-y. Et on peut pas aller dans la... Non, je crois qu'il y a des trucs, là. Je crois qu'il y a des trucs intéressants. Hein. On peut pas y aller? Non, peut-être après. On va construire ça vite fait. Allez, c'est parti. Boum. Allez, ça c'est fait. On récupère la piécette. Ça, c'est la scène du film où il est dans la base de l'Hydra avec ses potes. C'est d'ailleurs la fin du film, il me semble. Steve, vous êtes là? La fin du premier. Est-ce que votre radio a encore lâché? J'espère que vous me recevez. Crâne rouge peut être extrêmement dangereux. Restez sur vos gardes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repop à l'infini eux aussi là? Ils se dégagent. Pas d'avant? Ouais, ça a l'air de repop à l'infini encore une fois. Chaque fois qu'on est avec Captain America, j'ai l'impression que les ennemis... Hop, à l'infini. Ok, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon, déjà, il faut aller là, je pense. C'est quoi? Ah non, c'est la sauvegarde. Ça. Alors, on sauvegarde quand même. On démonte tout. Donc, on trouve de toute façon le moyen d'avancer, tout simplement. Par contre, j'aimerais bien que mon collègue, justement, bah, en profite, lui, par contre, pour s'occuper des autres. On va pouvoir tester vos nouveautés, docteur. J'ai hâte de voir comment le bouffon et son bouclier s'en tirent. Bien sûr, Herr Schmidt. Activation des canons défensifs. Oh fuck, ça commence. À chaque fois avec Captain America, je meurs. Je meurs. Faudrait arrêter de me laisser maintenant. Voici des renseignements. Bon courage. C'est Burns. Hop. Allez, mais je me fais démonter la gueule. Voilà. Vas-y.
Vas-y toi, qu'est-ce que tu me veux? Bon les amis, on reprend et voilà, heureusement, vous voyez, heureusement qu'on avait sauvegardé, puisque tout bonnement, j'ai été dérangé, hein, pour tout vous dire, en plein milieu de l'épisode, et ça a duré un petit peu longtemps, puisque ça a duré à peu près 2 heures, et du coup, ma console s'est éteinte, hein, donc voilà, heureusement qu'on avait sauvegardé les amis, et que maintenant on peut reprendre, certes, un petit peu en arrière, bon ça sert à rien. Faut tout casser, je me souviens, si je me souviens bien normalement. Tant qu'on casse pas tout, les mobs vont respawn. C'est bon quoi. Ah non, c'est peut-être ça qu'il faut casser. Vas-y, dégage. Donc on va essayer de finir cet épisode rapidement quand même. Voilà. On va pouvoir tester vos nouveautés. Il me semble qu'on était rendu à peu près à ce passage là. J'avais reconstruit ça, j'ai utilisé Bard je crois. Bien sûr, Herr Schmidt. Activation des canons défensifs. Ok, voilà, faut que j'éteigne le feu. Et ensuite je pourrais reconstruire le truc. Voilà. Mais bien sûr, c'est qu'est-ce que je fais, monsieur? Hop, on va utiliser Barnes. Et maintenant, on fait ça. Enfin, s'ils veulent bien me laisser faire. Voilà, allez, s'il vous plaît, j'arrête, maintenant on met 5 kills là. C'est bon. Donc normalement. Ah. Il doit me manquer des trucs. Ok. Non, ce serait bien qu'on se calme, s'il vous plaît. Ah d'accord, enfin que je fasse péter. Désolé, Herr Schmidt, les prochains seront meilleurs. Ok, on passe en suivant. Toujours la même. Oula, bouclier. Voilà le bouclier, il n'y en a plus. Oh yo. Voilà. J'espère pour vous que les suivants seront mieux, docteur. Le troisième. Donc là, il y a juste à attendre que le bouclier s'arrête en fait. Mais en vérité, vous avez peur d'admettre que nous avons abandonné l'humanité. Moi, je l'assume fièrement, sans aucune peur. Voilà. Bouclier. Ah, je crois qu'il faut juste en fait lancer une grenade dessus. Hop. On fait la même chose. Et
on attend que ça explose. Je croyais que ces canons étaient le mec plus ultra. Vas-y, dégage. Ah, c'est le cas, Herr Schmidt. Mes calculs sont toujours bons. Ça n'aurait pas dû arriver. Voilà, ça c'est fait. Youhou. Nous sommes arrivés en haut. Ok, alors moi je continue de casser comme d'habitude. Il faudra plus que ça pour arrêter les 4 Brooklyn. Après toi, Captain. Ok, donc là c'est normalement c'est avec Captain America, si je comprends bien. Hein, faut suivre un petit peu les dialogues. Mais moi j'aime bien casser, donc on va casser d'abord. Et... ah, ça on peut pas le casser. Faire un truc ici. Si je mets ça. Non. Ok. Iron Man ou œil de faucon. On peut pas le faire. Merde. Ah oui, c'est les trucs dorés. Oui, 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 quel crétin. Tout, hein. Foutre. Alors, faut certainement prendre Captain America. Certainement faire ça. Est-ce que je peux récupérer avec ça, non? Pour casser. Ah mais merde. J'ai développé un truc là. Ok. J'ai loupé quelque chose, my général. Tout à l'heure je pouvais tirer et là... qu'un truc, hein, c'est obligatoire de toute façon. On va retourner voir en bas peut-être.
my fucking god, quoi. Sérieusement. C'est tout simple, c'est ça le truc. C'est tout simple à chaque fois et je me trompe. On va passer Captain America. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il est con, ce Captain America. Ok. Allez. Ah, très bien, bonjour. Ok. Alors, on va se calmer tout de suite. Voilà, hein, on va se calmer tout de suite, les mecs. Monsieur, nous devrions partir. Alors, par contre, moi j'aimerais bien récupérer ça. Pas moyen. Peut-être autrement. Faut que je revienne de toute façon. Comme je vous l'ai dit, c'est possible de revenir avec d'autres personnages. Donc, à mon avis, avec un Iron Man qui vole ou un Thor. Avec Iron Man pour ouvrir le coffre doré, donc ouais. À mon avis, c'est ça. Il faut qu'on l'attrape. Il y a forcément une autre entrée. Ouais, il y a une autre entrée et je la vois. Non. Voilà. Allez, on y va. Herr Schmidt, ils nous suivent encore. On doit filer. Ce n'est pas grave, docteur. Hydra ne capitule pas. Voyons comment Captain America peut gérer cette situation. Steve, Captain Rogers. Oh non, j'espérais que la radio se réparait depuis le temps. Crâne Rouge doit être tout près de votre position. En fait, vous l'affrontez sûrement déjà. Bonne chance, Captain. Et bim, le crâne rouge, je te défonce la gueule, moi. Oh, oh. Oh, les enfoirés. Ce n'est que partir à mes, je reviendrai. Bon, ça serait cool d'arrêter de faire pop des mobs, là aussi. C'est relou, d'une force, des fois. Ok. Ok, on se gasse. Pas défoncer la caméra, là. Ça. Allez, construis un petit truc. Un petit plongeon. Ok, d'accord. Ah non, mais non, mais non. S'il vous blesse, blessez-les. Vas-y, dégage. Oh, c'est quoi ce truc? Génial! Boum! Sois ta gueule! Je te soutiens jusqu'au bout, mon pote. Ah, le passage du train, il est épique dans Captain America. On sera fini sur le champ. Remuez-vous les insectes. Le pauvre. C'est hyper bien fait, je trouve. Franchement. C'est bon cette fois. La radio va fonctionner sans problème. Captain Rogers, répondez. Toujours rien. Ça, c'est contrariant. Essayez de progresser.
C'est à l'avant ouais, du train. Je sauvegarde. Armin Zola ne s'en tirera pas cette fois. Nos infos indiquent que Zola est dans le premier wagon. On va avoir besoin de lui pour attraper Crâne Rouge. Et bim! Moi je récupère ça avant. Ouais, vous avez cru quoi? Ah! Tombe, ah, voilà, merci. J'ai détecté des intrus à bord. Défense activée. Tout le monde à son poste. Dirait qu'on a de la compagnie, capitaine. Ne le prends pas mal. Ouais, c'est clair. Dégage. Je suis en train de tomber, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est très généreux de votre part. Bon, à mon avis, j'arrête de me battre avec eux, là. Et que j'envoie ça là-dedans. Voilà. Comme ça on passe. Non, non, non. Mais non, Captain America. Je suis tellement déçu. Ça c'est des trucs dorés, donc on sait que c'est Ant-Man ou un œil de faucon là. Dégote tous ces types. Ah ouais, ils sont relous. On se sent submergé, pas vrai? Tu peux bouger par contre? Ah non, ok, très bien. Ah, écoute. Ah, on a eu chaud. Je préfère détruire ce train plutôt que d'être fait prisonnier, Captain. Abandonné avant qu'il mais t'inquiète pas, j'arrive. Je vais te botter le cul, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ça sert à quoi? Ah, c'est peut-être avec lui. Ah non, il reste des pièces là que j'ai pas mis. Nickel. Je peux approcher. Bonjour, s'il vous plaît. Pourquoi je peux m'approcher, on peut pas non? Mais non, pourquoi il est descendu l'autre? Ok, bonjour. Ok, bon, attends, je vais reculer un petit peu. Puis je vais te défoncer avec ça, hein, tout simplement. Voilà, ça on n'en parle plus. Putain, faut que je le fasse venir lui. Ouais, mais non. Pourquoi il revient en arrière? Mais lui, il arrive pas à sauter aussi.
tout simplement, si je crée l'objet qu'il faut. Ouais, j'arrive. Non. Oh, fuck. Allez, allez, on avance, parce que là je suis long là. L'épisode de l'éternité encore. Si je veux faire un chapitre à chaque fois, faut que je sois moins long, s'il vous plaît. Et bim. Ça suffit. Ouais, ça suffit, il y en a marre. Alors là, par contre, s'il n'y a pas de vue intérieure, ça va être galère, s'il vous plaît. Putain, c'est tellement bien fait. Je kiffe les Lego. Oh putain, Bucky. Ah, c'est là où on perd Bucky. Captain America, Bucky, accrochez-vous. Ah, Bucky. Vous êtes en mission, monsieur? En effet. Pour me renvoyer dans le monde? Pour le sauver. L'arme secrète d'Hydra. Demain, Hydra deviendra maître du monde et volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Vous auriez dû le laisser au fond de l'eau. Ah ben voilà, niveau terminé, nickel. Moi, ce que j'aime bien dans les Marvel, même si commence, je trouve un petit peu en avoir un peu beaucoup, c'est qu'ils arrivent en fait à imbriquer tous les films ensemble. En fait, tous les films Marvel ont à un moment donné un sens et un lien avec d'autres. Iron Man avec Avengers, Iron Man avec Hulk et tout. Et là on voit Captain America qui vient aussi s'impliquer dans Avengers et tout. Je trouve que ça c'est un petit peu balèze et pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que ça n'a pas été trop long cet épisode. J'ai fait en deux fois donc je me rends pas trop compte. Mais j'ai l'impression que oui. Et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu qui fait plaisir. Hop, désolé pour la manette qui vibre. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, les amis, de vous abonner, bien sûr, et puis de commenter, et puis de partager, surtout. Et on se retrouve très vite pour la suite. À la prochaine. Salut. Bye bye.